suñu champion yi ñew ñu fi indi rawatina ak tafsir bala ñi commencer les prises de parole wala ñi continuer ci li nga xamni ci lañu nek on demande juste une minute de silence ci mémoire papam et def ko ñaan ñepp ñu may ko ko bala ñi continuer li nga xamni mom moy festivité yi s'il vous plaît une minute de silence ci mémoire papa et tafsir ñu soko continuer ñu joxe la parole. Aja gay, merci beaucoup. Yalla yalla yeureum ko xare ko aljana. On commence les prises de parole ku ci nek ci ñom ñi demone ci compétition bi am nga mo bo xamni war nga ko wax bala ñu ñew ci champion yi. On va donner le micro ki nga xamni mo moy entraîneur national bi nga xamni mo famara ana entraîneur bi s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup. Je vous 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 remercie beaucoup. Je me revenir encore si suñu combattant yi ndey khadi répond présent Mustapha Ley Mohamed Tafsir Ba ñett rek lañ won dem compétition bi nga xamantene il y a presque 3000 athlètes 60 pays représentés ñom 3 rek ñoo fa nekkon nga xamantene ñoo représenté won la nation sénégalaise. Ñani fi titre bu toy ni bu tollu ni donc lolou reuy la mo bëggon na ñi defaat ovation stand bu nga xamantene pour ñom la les gars applaudissez wax bi nak du bari parce que daf ma xawa jafé juste rek pour remercier tout court d'abord notre président de la fédération bi nga xamantene mo taxaw fi monsieur Yahya Diop. Hamantane, si nous avons kickboxing tolfi ici au Sénégal, à ce niveau-là, bien vrai que papa m'a connu ancien président de la fédération du kickboxing sénégalais, mais nous avons mieux avec notre génération, mashallah, alhamdulillah, à chaque fois, nous avons fait le plus grand hamantane, amnoko comme moyen, relation pour nous participer à cet événement. Donc ça, c'est une première. Amon avons fait un champion du monde durant 2007-2008, mais fila dan amé. Mais biyon nak ñu dem Asie centrale bi nga xamantene Ouzbékistan fofu ce sont les meilleurs combattants les plus redoutables au monde je peux dire en sport de combat metti won na lool mais alhamdoulillah rabbil alamin président bi il a tout fait à ce que ñu téla ñow fofu def 15 jours bi nga xamantene dinañ am acclimatation bo xamantene dina jappalé athlète yi donc lool c'est à remercier encore davantage monsieur le président. Amon nañ confiance bobu parce que liñu gëna am confiance li tax ñu gëna am confiance bobu so amé président nga am détène bo xamantani ñom déjà dañ lay nane boy su ngeen démé di ngeen gagner ñun wolu nañ leen kon yeen na ngeen ñu wolu des fois di nga am tarification di nga am toute hésitation mais ñom so leen gissé rek ñu am confiance en plus dëkk bu nga xamantani comme nimu ko waxon légui légui rek ce sont les plus redoutables kuko mëna vérifier. Ñen xol nation yi nga xamantene ñi nekké côté Asie centrale comme Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan ñoñu xet yoyu ils sont très redoutables mais téwul comme que ñun am nañ président bu nga xamantene amna confiance avec le DTN ñun tamit dañu am confiance ci athlète yi wax leen ni c'est vrai dëkk bi sorina metti na on est que 3 mais duñ ñibbi fi sans médaille to lolu ils l'ont fait merci à vous. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماغي نوي نيفي تيو نييب سين تور اك سين سانت واو دي نيان يالا نك لي في ام رن يالنا اما ديول تي بركه سيدنا محمد وا بور كومونسي وا دك يالا جو سوي تريز امي
parce que dañu nek biir fédération di fi liggéey bu muccu ay di dem ak ay responsable de club yu bëgg ar bi dem ba am fédération biñu amé fédération après l'ancien président je le salue au passage muy monsieur Mansour Diop tay ji ki moko représenter di domam di Yahya Diop di nit ku bax di nit ku am jom aussi te nit bokoy geureum dang koy geureum limu don mais doko wax lo xamni gissal lay don ki limu def fédération sénégalaise de kickboxing suñ ko don wax fi ba suba du jeex en tout cas man je le remercie humblement pourquoi parce que dafa def lu bari 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 fédération tay ji sur le plan international je pense que le coach national duma bayima fen def nañ fi lu bari sénégal mais feñul won c'est pas la première fois hein? Am nañ fi ay trophées yu bari 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 mais tay bu feñé c'est grâce au président Yahya parce que li gëna am pe importance il faut ñu wax ko avant ñuy am li yépp lu ci bari 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 c'est de par ses propres moyens la ko défé de par ses propres moyens té lolu importance la bo xamni aussi Sénégal dañ ko wara xam parce que nit ki bala ñu lay dimbali ci dara da ngay dimbali sa bop ba paré té Yahya li muy def dafa di xalé dafa bëgg li muy def muy art martiaux surtout le kickboxing sur le plan international amul fo xamni tay ji sur dans le monde entier Yahya mënu fa taxaw très discipliné wa di wax ni nga joggé fi dem hors de nos frontières indi championnat du monde yombul dé yombul té ligéy bi metti na quoi qu'on dise mais je vois en lui un être sain un être humble un être honnête un être discipliné qui respecte tout le monde non li bettuma ci yow bettuma ci mom parce que il est tellement discipliné que même Dieu est avec lui c'est pourquoi il a amené le trophée de champion du monde ici au Sénégal je veux que nous tatchu ko ba fi diri dès que vous allez le tatchu len ko bu baakha 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 pour honorer le drapeau sénégalais wone nañ fa jom fulle ak fayda biñu xamé fi ni ba paré ma ngi ci tek sama coach Famara parce que moma formé moma jangal lepp luma xam ci kickboxing donc amon na honneur trop mu nek sama coin pour sama première sélection nationale donc ma kay remercier bu baax pour continuer tamit ma ngi remercier DTN Ibrahima Touré remercier tamit ñi nek ci monde kickboxing bi yépp coach yi arbitre yi officiel yi membre de la fédération yépp ma ngi leen remercier bu baax. Merci beaucoup pour cette présence. Alors, juste avant de me dire parole, je rappelle que Tarsirba est le cirque qui vient sans presse à Trubidef. Moi, le cirque est le cirque de boxe anglaise. Il est également membre de la fédération de boxe anglaise. Il fait également kickboxing. Il fait Muay Thai, il fait MMA, c'est un artiste complet. C'est maximum de tout ce qu'il fait. Alors. Pas de gagner, roule. Alors, Tassi, vous allez avoir pas de gagner. Amenez-le, vous allez avoir pas de gagner. Amenez-le également, roule. Tassi, vous allez avoir. Ok. Merci beaucoup, Aglan. À Kung Fu Wushu. Tassi, le robot.
Le champion du monde, Mohamed Tafsirba. Avant tout, salam alaikum. Je suis vraiment content de trop ça à Moussen Fay, vraiment. Et avant tout, je veux remercier son président, mon équipe. Franchement, il a tout fait. Nous avons fait une bonne mais il est presque mon mot. Avec tous les membres de la fédération de kickboxing, mon coach DTNI, Esparing partenaire, nous avons tous les gens qui ont été venus. Nous profitons de remercier tous les gens qui ont été japonais dans ce qui est bien. Nous avons été trop ça. Parce que nous sommes japonais, parce que l'esport est complet, le kickboxing. Donc, il y a une spécifique boxe anglaise, une spécifique gymnastique, rouleur, tout ça est beaucoup. Nous avons une agilité pour nous faire un handel dans le Sénégal avec Jombi. Nous remercions Zim Park. Fit Park, je suis avec Magic Land, Momo Audi, Fitness Zone, c'est mon club Fighting Street, Big Boxing Club. Je remercie Dakar Boxing Club, Ville de Dakar. Je remercie Tamit David Coppola, vraiment, je suis allé trop ces derniers réglages. Je suis allé dans mon Côte d'Ivoire pour 10 jours, préparer le championnat du monde. Donc, je remercie Eric Favre, Gym 225, vraiment. Je remercie aussi mon sponsor officiel, moi, Eric Favre, vous avez vu. Je vous remercie dal di la remercier bu baakha baakha baax buñ limé rek dañuy joom quoi content na trop ça et aussi di remercier suñu président de la république gis nañ tweet bi mo gëna yok motivation bi parce que c'était vraiment difficile parce que Afrique bi yeb y avait que deux pays africains qui étaient là-bas, le Sénégal et l'Algérie. C'était seulement ces deux pays africains qui étaient là-bas. Et il y avait 64 pays représentés et plus de 3000 athlètes inscrits. Il y a le def tayji ni Sénégal guen ci premier yoy non yeb donc alhamdoulillah lañuy wax di wax né ligéy bi dess na lu bari ça en fait ko commencer quoi. Merci beaucoup. Bon, avant tout, c'était pas évident. Là, t'es de catégorie bobo déjà à m'inscrire. Donc, au dernier moment, je suis changé parce que le président a quelques doutes. Voilà, il y a Azimov qui est dans la catégorie des moins de 91 kilos. Et c'est le deuxième mondial aussi. Donc, il avait des craintes. Bah, man, trois fois. Ouais, trois fois champion du monde aussi. Donc, est-ce que nous le changer la catégorie parce qu'il y a Azimov là-bas? Man, nid là. Sénégalais. Monsieur les représentants de la ministre des Sports,
Monsieur les, monsieur et madame membres de la Fédération Sénégalaise de Kickboxing, chers membres aussi, bon, chers sympathisants, on va dire, de la Fédération, chers ambassadeurs de la Fédération de Kickboxing ABA, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui ici. Je commencerai mon propos par remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakha Faye. Sans lui, je ne pense pas qu'on aurait pu organiser cet événement aujourd'hui ici, qui est un accueil pour remercier nos lions qui sont partis défendre les couleurs du Sénégal. Parce que vous savez, nous, Sénégalais, on n'a pas souvent besoin d'argent ni rien d'autre. On a besoin de soutien. Et c'est une première qu'un président de la République dise bonne chance d'abord avant de dire félicitations à une fédération et à un sport de combat. J'étais, vous savez, on a maïvé. Donc, on a maïvé. Vous savez, on était en Ouzbékistan. Ce fut un trajet de 19 heures pour arriver là-bas. Après la cérémonie d'ouverture, j'ai dû aller aux États-Unis. Et arrivé sur place, juste avant les combats, le président est passé. Il a dit où en est le score. Je lui ai dit que c'est dans deux combats. C'est du jamais vu. J'ai appelé les jeunes en leur disant, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est une bakan baile encore. Parce que je regardais le combat à distance, parce que j'ai dû aller, je voulais rester pour les combats. Mais en regardant le combat, je ne pouvais ni m'asseoir, ni rester debout. Parce que je me disais, mais c'est une chance inouïe qu'on se retrouve à avoir autant d'audience. Parce que vous savez, le kickboxing existe depuis longtemps. Mais c'est une première pour nous d'avoir cette chance. Et alhamdoulilah, sante yallah, qu'on ait un président à l'écoute. Qu'on ait un président qui est jeune, qui fait tout pour qu'on sorte de ce lot-là. C'est très important. Je veux y revenir parce que... Vous pouvez pas comprendre la chance qu'on a eue d'avoir ça. C'est un honneur, c'est pour ça que j'y reviens et c'est très important d'y revenir. Nous, on a besoin de rien d'autre, on a juste besoin d'être soutenu et c'est ce qu'il y a eu. J'ai aussi eu l'appel de la ministre, des membres du ministère aussi, ce qui est très important pour nous. On est dans cette fédération depuis 1998, on est jeune, hein? Je suis de la même génération que ces athlètes qui sont là. Ils nous ont fait confiance en nous confiant les rênes de la fédération. Pourtant, on était aussi athlètes. Moi, mes maîtres sont là à présent, mes maîtres de kickboxing. Le DTN en fait partie. Mon père a aussi été fondateur de la fédération de kickboxing. Donc, je n'ai connu rien d'autre que ce sport-là. Je suis d'un autre métier. Pourtant, je suis aussi athlète dans l'âme. En ne pouvant plus compétir, moi, je me dis, ma compétition, c'est de m'assurer que le Sénégal soit toujours au plus haut niveau, que cette fédération soit la meilleure fédération possible. Donc, il y a 3 ans, quand je commençais à être vraiment actif dans la fédération en tant que président, j'ai dit aux gars qu'on se donne un défi. Ce ne sera pas simple, mais qu'on mette en place un plan stratégique pour ramener cette fédération à un niveau qu'on ne pourrait pas imaginer. Ça n'a pas été simple hein, au départ, parce qu'il fallait commencer tout doucement, il fallait aller à des compétitions. La zone 2, on est revenu avec beaucoup de trophées. On est allé au championnat d'Afrique, on est revenu champion d'Afrique, on est revenu avec 3 médailles pour 5 athlètes. On est allé au championnat du monde d'abord, parce qu'il y a une genèse, hein, il faut le comprendre. On est allé d'abord au championnat du monde en octobre 2023, on était revenu avec une médaille de bronze, avec Alassane Ba. On est retourné. Pour vous dire que le président aussi, Defne Diop, il nous porte chance. Le 24 mars, il y avait Ndiaye Khadija Diallo qui combattait en finale. Pour la première fois, on est passé vice-champion pour le Sénégal, le 24 mars. 6 mois ou 8 mois après, on est revenu champion du monde. Donc,
seul le travail paye, et j'insiste sur ça, on y a cru pour arriver à ce niveau. Pour nous, ce n'est que le début. On veut rester là où aucun pays africain ne reste. C'est que on croit que c'est le travail n'est pas juste d'être champion. Le travail, c'est de rester champion. C'est aussi de promouvoir cette discipline, d'aider ces athlètes-là. Parce qu'il faut savoir que être dans une équipe nationale, faire partie d'une d'une fédération n'est pas simple. On est dans un pays aussi en voie de développement. Les conditions ne sont pas réunies pour accompagner les athlètes comme on voudrait. On a la passion, mais ce n'est pas tout le temps simple. Mais on fait avec les moyens du bord. Il faut savoir que ces jeunes-là, pendant des années, ils n'ont pas été payés, par exemple, par nous. Mais ils sont restés. Les entraîneurs, la même chose. Ils reviennent des fois d'une compétition et ils ont un perdium de 10 000. Mais c'est normal, parce qu'ils veulent cela. Ils veulent rester. Donc, nous, juste être reconnu par un président, ça nous suffit. Si on avait plus, on irait plus loin, par exemple. Abba l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le basket. Sans être contre, hein, sans être contre ces disciplines-là ou ces sports-là. Mais le quart de ce qui est fait pour d'autres fédérations, si on l'avait eu en tant que sport de combat et d'autres disciplines aussi, on serait à un autre niveau, tu vois, sans entrer dans aucun détail. Hein. Mais l'ini wah, l'ohol, nan linké hay, n'achefek l'ohol baramon, nimble, n'achefek l'ohol baramon. On attend personne. On fait ce qu'on a à faire parce qu'on est aussi des patriotes. On croit en notre pays. Donc on ne veut pas que nous trouver en train de nous perfuser, on va dire. On veut d'abord donner ce qu'on a à donner pour notre discipline et après qu'on puisse nous aider. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et on remercie vraiment tout le monde. D'abord, je vais commencer par l'équipe nationale. Je vais aussi après chez les coachs, remercier les coachs et après tous les membres de la fédération. Ceci est un honneur d'avoir un champion du monde là, Mohamed Tafsir Ba, tweeté par le président de la République, c'est important. Félicitations. Remercier aussi Ney Khady Diallo, féliciter Ney Khady parce qu'elle est vice-championne pour la deuxième fois. Je pense qu'elle entend argent, elle pense que c'est de l'argent, l'argent. La prochaine fois, il faut que ça soit de l'or. Et Moustapha Ley, qui a aussi bien défendu les couleurs du Sénégal. Tous les coachs qui étaient, Famor Touré qui était parti, et tous les autres membres de la fédération. Ça n'a pas été simple du tout. Des fois, ça a été très très compliqué, mais on y a cru jusqu'au début et jusqu'à la fin. Merci à tout ce public-là. Merci à notre grand ambassadeur Abba Nosres, qui il est toujours là pour nous. Vraiment, ça mérite des applaudissements. Et à tout ce public qui est là depuis 15 heures à nous attendre, à attendre cette belle équipe nationale. On est des jeunes, on fait partie de la même génération. On veut développer notre pays et je pense que ça va passer par le sport. Il y a de grandes nations qui se sont développées avec le sport et on y croit. Et on va continuer à travailler pour arriver à ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup.